J'ai récemment appris que prendre une pause n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. Nous ne pouvons pas être toujours à fond, travailler sans relâche, dépasser nos limites. Nous devons prendre le temps de vivre, de profiter, d'aimer, de rigoler. Notre monde est tellement riche et inspirant. Nous devons en profiter pour nous recharger. Car il y a une chose que l'on doit comprendre, ralentir, c'est mieux repartir. On braille du coup ? Ouais. Allez. Comment on mange ? Comme tu veux, hein, c'est pas envie de Les gars, on est arrivé à Mykonos, la dinguerie. On est arrivé hier soir. Je vous ai pas filmé l'arrivée et tout parce que franchement, on était vraiment subjugués. Je vais faire un petit room tour. Notre hôtel est fou. Franchement, on a tellement de chance. On était vraiment en mode. Je pense que je vais vous mettre des images d'hier soir. Bon, franchement, on réalisait pas quoi. Je couche avec ma meilleure amie Romane. Que vous allez voir très souvent pendant le vlog. Maintenant, petit room tour de la chambre. Donc ça, c'est la vue quand on arrive. Donc là, ici, il y a la salle de bain. Bon, en soi, elle est assez classique. Petite baignoire, etc. Là, le lit. Là, il y a un grand miroir. Petit meuble, petit canapé. On s'est installé, hein. Vraiment des vrais pachas. Et là, regardez-moi cette vue. C'est exceptionnel. Je sais pas si vous m'entendez. Une vie de luxe, mais on ne peut pas se payer 3 repas par jour. Vous avez capté. Petit sandwich que je me suis fait ce matin au petit déjeuner. Vraiment le rat. Et oui, du coup, là, on va aller à la plage faire bronzette. On emmène avec nous dans ce petit voyage à Mykonos. Donc là, on y reste 4 jours. Et ensuite, on ira à Paros. Mais je pense que Paros, je ferai un autre vlog. Oh.
cas, je sais pas si vous m'entendez bien. Et on va à un beach club. Il faut sachez que on n'est pas du tout des meufs comme ça de base. On va tester, on a grave envie d'essayer. On a peur que ça soit un peu trop kékos. Genre ça, c'est pas trop notre délire. Donc on va voir. J'espère que ça va être cool. Notre vie là, depuis deux jours, elle est irréelle. Vraiment, on a l'impression qu'on est des imposteurs. Non, moi, je conseille Mykonos, c'est trop bien. Les gosses, ça fait même pas deux jours qu'elles sont là. On conseille Mykonos. Ouais, on n'a pas du tout l'habitude de ça, de ce mode de vie. Mais qu'est-ce qu'on aime ça? La vie de luxe. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama. Mala fama, mala fama. Se la pasan diciendo que soy mala. Les gars, petit débrief, comment vous dire que c'est spécial, mais franchement nous on adore. Romain, toi t'en penses quoi? Moi j'aime beaucoup, c'est juste qu'il n'y a pas d'endroit où là on s'est excentré pour éviter d'entendre trop les boum boum, sinon c'est affreux quoi, mais sinon c'est trop bien. Franchement de base on voulait venir là toute la journée, mais on s'est dit ça va être un peu too much. Toute la journée c'est un peu long quoi, parce que la musique est vraiment forte. On est vers les Kalinks. D'ailleurs story time, il y a des vieux qui nous ont demandé de venir sur leur bateau. On a dit non, Dieu merci. Que c'est gênant, parce que c'est gênant. Le bateau je vous l'ai montré, c'est terriblement gênant. Ils sont à côté de nous, c'est oh. Ils cherchent des meufs à monter dans leur bateau. Mais sinon l'ambiance est folle. On est allé dans le Paradise Club, on se sent pas jugé, il y a vraiment zéro jugement et tout. On pensait que c'était vraiment un endroit avec beaucoup d'apparence, beaucoup de personnes sur le paraître, etc. Et au final pas du tout. C'est trop bien, il y a des gens grave fun, très agréables, très festifs, très amusants. À côté, il y en a un qui est un peu plus... C'est trop too much, quoi. Trop dans le paraître, les gens, ils bougent pas. Ouais, non, c'est pas drôle. Tropicana, de base, on voulait y aller parce que ça avait l'air plus sympa. Mais au final, déjà, c'est un peu plus cher. En fait, ça se voit, ils sont tous là pour être beaux, pour rendre bien. Ils sont pas là pour s'amuser. Alors que Paradise Beach, ils sont plus là pour vraiment kiffer et s'amuser. Donc là, on va passer toute la soirée ici. Et ensuite, on va rentrer à l'hôtel.
Let's go au petit déjeuner. Et un vent de dingue. Je sais pas si on m'entend bien là. Vraiment une vie de star. C'est le pont. Ah. Je me suis servi comme si j'avais faim. Ah, je crois que j'ai pas fait des croissants. T'es pas fan? J'adore. Oui, demain, demain matin, c'est notre bouffe de cheval, comme on mérite. C'est pas horrible. Il y a des flocons d'avoine, moi? Oui. Ah. Tu vois, ça m'attire pas ce genre de choses. Dans son élément naturel, il ne supporte pas le soleil. Elle a mal à la tête, elle est pleine de coups de soleil. C'est étonnant parce que normalement c'est moi la babe tout fragile. Là... Ah, tu es dans cette catégorie. Ça se dit marocaine. Je touche ma tête, pour l'instant j'ai pas pris de coups de soleil. My boy's fooling around, my girls will be arriving soon, I just need more time. If you wanna bring a friend, that's right. Enough food to fit your appetite. Baby, who is this and can I be a smith? See me have matching fits, so let me introduce you. Update, parce que je vous ai pas pris depuis un moment, depuis hier soir je vous ai pas expliqué parce que c'était vraiment excellent hier soir. Du coup on est allé manger des pâtes, enfin un restaurant de pâtes, et ils font plein de types de pâtes, enfin c'est trop sympa et c'était excellent. D'ailleurs on a mangé des pâtes carbo avec Ron, c'était délicieux. Je crois que c'est les meilleures pâtes carbo que j'ai mangé de ma vie, pour vous dire. Oui, c'est pas très grec, mais en fait on s'est fait happer par la vendeuse qui avait devant. Ouah, le vent,
c'est terrible. En fait, ça fait plusieurs jours et il y a que du vent comme ça. C'est génial quand on bronze parce que du coup ça rafraîchit, mais pour les cheveux, c'est terrible. Devant les restaurants, devant les bars, devant les boîtes de nuit, à chaque fois il y a des personnes qui sont là et qui t'attrapent, le touriste là, ils t'attrapent, ils disent viens voir, viens au bar. Et pour les meufs, on nous dit vous pouvez avoir des boissons gratuites, vous pouvez avoir des cocktails gratuits, des trucs comme ça. Sauf que bon, les personnes qui font ça, c'est souvent des trucs, c'est pas terrible. Ensuite, on a fait quoi? On est allé à un bar dansant, Negrita. Les gars, on a passé une excellente soirée. C'était exceptionnel. Vraiment, l'ambiance, elle était incroyable. Et le DJ, incroyable. C'était que des hits. D'ailleurs, il passait plein de sons français, genre La Coupe à la Maison, Choriste, le remix électro. Excellent. Plein de hits comme ça. Et en fait, il laissait vraiment des courts passages. Et c'était vraiment les meilleurs passages. Et en fait, il passait très vite aux prochaines musiques. Du coup, t'avais même pas le temps de te lasser qu'il y avait une nouvelle musique. T'avais même pas le temps de ne pas aimer un son qui passait une nouvelle musique. Bref, c'était génial. C'était que des sons où on pouvait facilement danser dessus. Donc, vraiment, avec Roman, on s'est régalé. On a dansé vraiment, mais sans s'arrêter pendant 4 heures. Et on n'a pas vu le temps passer, quoi. C'était génial. Il y avait pas mal de monde, donc on était vachement serré. Et on s'est fait aussi pas mal accoster, pas mal draguer. Les mecs, ils étaient grave respectueux. Enfin, en gros, le bras autour de toi, t'es là en mode, tu prends son bras, tu fais, mon frère, deux semaines. Des personnes, enfin, tu vois, nous, moi, je faisais ça. Et s'ils comprenaient pas, je faisais ça. À un moment, j'ai fait ça. Un mec, il m'a fait un doigt. J'étais MDR. Franchement, j'étais morte de rire avec Roman. On était pliés. En vrai, ils comprenaient très vite, les mecs. Donc, c'était pas trop lourd. Quand tu disais non, ils comprenaient le non, quoi. Ça va de soi, mais c'est pas toujours obvious, hein, pour certains mecs. Il y avait plein de mecs ultra bienveillants. C'était grave agréable. On a fait que danser. On s'est régalé. C'était excellent. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, il y avait un mec. Ah, ça, c'était trop drôle. Il y avait un mec qui vient de Mykonos. Hein, c'est un vrai grec de Mykonos. Il a dit. Et c'était un peu un daron, genre il devait avoir 30-35. Un daron tranquille. Il nous dit ça en anglais, mais en mode oh, j'aime trop votre vibes, j'aime trop votre énergie, restez comme vous êtes, continuez à faire ça, machin. Parce qu'en fait, bah, nous avec Roman, genre on s'amusait de ouf. On dansait vraiment toutes les deux, enfin on s'éclatait. Alors qu'il y avait aussi plein de nanas qui dansaient pas trop parce que ça se voyait qu'elles étaient là pour plaire, pour draguer, etc. Alors que nous on était vraiment là pour kiffer. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a kiffé ça, quoi. Oui, nous sommes des meufs en couple et on adore sortir, on adore danser. On ne sort pas forcément pour draguer. Faut le savoir, ça, parce que tout le monde ne le sait pas, surtout les mecs. Puis voilà, quoi. Et là, du coup, ce soir, on ressort. Aujourd'hui, on s'est levé à 9h15, couché 5h. Donc, on avait 4 heures de sommeil, c'était pas terrible. Mais on a pris le petit déjeuner, puis ensuite, on est allé à la plage, piscine. Et là, on ressort. Et je vous ai rien filmé en soi aujourd'hui parce que bah, c'était la même chose que ce que je vous ai déjà filmé. Je trouvais pas ça très intéressant. Donc voilà, mes loulous. Petit moment potin. Ah oui, et j'ai fait des petites photos aussi hier. Fallait me voir. J'ai amené un trépied qui est ultra léger. Et j'ai fait mes photos avec mon trépied. J'étais refaite. Allez me suivre sur Insta. Elles sont sympas. Je vous mets un petit sneak peek. Bref, là, on va aller au resto. On va se mettre bien. Et on va ressortir. Peut-être au même endroit, on ne sait pas encore. Ou peut-être à un autre. Ou peut-être les deux. On est mercredi, on est le lendemain et on va partir, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des travaux là-bas. Et là, on va partir prendre le bateau pour aller à Paros. J'avoue, je suis trop triste de quitter ici, de quitter Mykonos et de quitter cet hôtel. J'ai du mal à me dire que là, ça va être bien après en fait. J'ai l'impression que les vacances, elles sont finies. Du coup, je suis dégoûtée. Hier, on est rentré genre à 6h du mat. On a dormi 3h. Waouh, là, franchement, ça fait mal. J'ai encore les oreilles bouchées d'hier parce que la musique a été trop forte. Puis il y avait nous crier dans les oreilles et tout. J'espère que ça va partir parce que j'ai l'impression que je suis sourde du coup. Après un petit déj, je vous avoue qu'il n'était pas très copieux notre petit déj parce qu'on est un peu patraque. D'ailleurs, on s'est fait payer un cocktail hier. C'est très marrant, par un vieux d'ailleurs. Ça se voyait, c'était un sugar daddy, genre un vieux riche. Je fais plein de photos mentales là parce que c'est trop beau et je suis dégoûtée de partir.